Bonjour, bienvenue à la cathédrale Christchurch. En ce deuxième dimanche de Pâques, nous sommes heureux de vous avoir ici en personne et aussi heureux d'avoir tous ceux qui se joignent à nous sur YouTube. Vous êtes les bienvenus. Ça fait un plaisir de pouvoir prier ensemble de cette façon. Je n'ai pas de choses particulières à dire avant que nous commencions, donc je vais vous inviter à vous lever et nous allons chanter notre chant d'entrée pour un monde au péché vendu. Alléluia, le Christ est ressuscité. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu connais les désirs et les pensées du cœur humain et rien n'est caché à tes yeux. Purifie nos pensées par l'inspiration de ton Esprit-Saint afin que nous puissions t'aimer parfaitement et célébrer dignement ton saint nom, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, force de toute personne qui croit en toi et espérance de celle qui doute, fais que nous qui n'avons pas vu ayons la foi et recevions la bénédiction du Christ dans sa plénitude, lui qui vit et règne avec toi, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Et vous asseoir pour notre première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, les versets 32 à 35. La multitude des croyants était parfaitement unie, de cœur et d'âme. Aucun d'eux ne disait que ses biens étaient à lui seul, mais ils mettaient en commun tout ce qu'ils avaient. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et Dieu leur accordait à tous d'abondantes bénédictions. Personne parmi eux ne manquait du nécessaire. En effet, tous ceux qui possédaient des terrains ou des maisons les vendaient, apportaient la somme produite par cette vente et le remettaient aux apôtres. On distribuait ensuite de l'argent à chacun selon ses besoins. Parole de Dieu dans les Écritures, parole de Dieu qui nous entoure, parole de Dieu qui vient en nous. Lisons ensemble le psaume 133. Je vous invite à lire les versets en caractère gras. Oui, il est bon, il est agréable pour des frères d'être ensemble. Elle descend sur sa barbe, puis jusqu'au col de son vêtement. Car c'est là, à Sion, que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie, pour toujours. La seconde lecture est tirée de la première lettre de Jean, chapitre 1. La parole qui donne la vie existe depuis le commencement. Nous l'avons entendue, nous l'avons vue de nos propres yeux, nous l'avons observée et nos mains l'ont touchée. Cette vie s'est manifestée et nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, c'est à vous que nous l'annonçons aussi. Ainsi, vous serez comme nous dans la communion que nous avons avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous, nous écrivons ceci afin que notre joie soit complète. Voici donc le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune obscurité en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui alors que nous vivons dans l'obscurité, nous sommes menteurs, nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous vivons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et Jésus, son Fils, qui a versé son sang, nous purifie de tout péché. Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Si nous prétendons que nous n'avons pas commis de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes enfants, je vous écris ceci afin que vous ne commettiez pas de péché. Mais si l'on vient à en commettre, nous avons quelqu'un qui nous vient en aide auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Car Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés, et non seulement les nôtres, mais aussi les péchés du monde entier. Parole de Dieu dans les Écritures, parole de Dieu qui nous entoure,
parole de Dieu qui vit en nous. Tu as cru parce que tu m'as vu. Heureuses les personnes qui ne m'ont pas vu et qui pourtant croient en moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, le Christ est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Après ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus répéta « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après cette parole, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Or Thomas, l'un des 12 disciples, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui racontèrent « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas répliqua « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Alors que les portes étaient fermées à clé, Jésus vient et debout au milieu d'eux, il dit « La paix soit avec vous. » Puis il s'adresse à Thomas. « Mets ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne refuse plus de croire. Deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus reprit, « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. » Heureuses sont les personnes qui n'ont pas vu et qui croient. Jésus a accompli encore devant ses disciples beaucoup d'autres signes extraordinaires qui ne se sont pas racontés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et en croyant, vous aurez la vie par lui. Alléluia, le Christ est ressuscité. Seigneur, toi la parole tournée vers Dieu, qui est depuis le commencement, toi qui donnes la vie, toi la vie éternelle, tu t'es manifesté aux disciples qui t'ont rencontré, vu, reçu, touché. Manifeste-toi encore, nous t'en prions, dans l'écoute et la méditation de ta parole, dans le monde, dans nos vies, nos actes, nos relations. Amen. Voici les premiers mots de la première lettre de Jean, qui est aussi la deuxième lecture d'aujourd'hui. La parole qui donne la vie existe depuis le commencement. Nous l'avons entendue, nous l'avons vue de nos yeux, nous l'avons observée et nos mains l'ont touchée. Cette vie s'est manifestée et nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous.
Jean nous parle de plusieurs éléments qui semblent assez centraux, de cette parole qui donne la vie, de cette parole qui existe depuis le commencement et de la vie éternelle qui était auprès du Père. Pour lui, c'est tout un, c'est tout ensemble. Et il dit l'avoir entendu, l'avoir vu de ses propres yeux et même touché de ses mains. En nous parlant de son expérience, en nous parlant de ses sens, Jean nous explique que ce n'est pas seulement un concept auquel il fait référence, quelque chose de théorique, de lointain, de vague, mais il semble faire référence à quelque chose qui pour lui est vraiment concret, qui est aussi fort et qui s'est passé dans sa vie. Et puis, la manière dont il en parle, il semble que cette affaire qui s'est passée dans sa vie est une expérience qui l'a rendu plus vivant et qui lui a donné aussi, qui a donné à sa vie une saveur d'éternité. Et donc, j'en parle de ce quelque chose, non pas comme, justement, non pas comme un quelque chose qu'il a expérimenté, ou non pas seulement comme un quelque chose, mais comme un quelqu'un qu'il a rencontré. La vie éternelle, ici, ce n'est donc pas une idée, ni un endroit où on va après la mort, ni un état que l'on atteint après avoir suffisamment médité ou après être devenu un saint. Non, ici, la vie éternelle, c'est quelqu'un. Quelqu'un qui est la vie et quelqu'un qui vient à notre rencontre. Et ce que Jean a entendu et vu, expérimenté, il nous l'annonce. Et puis il dit, ainsi vous serez comme nous, dans la communion que nous avons avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. C'est comme si Jean nous donnait ce témoignage, pas seulement pour nous raconter ce qui s'est passé pour lui, mais pour que nous puissions nous aussi recevoir cette personne qui est la vie, pour que nous puissions entrer dans cette relation d'amour qu'il a avec Dieu, que les disciples ont avec Dieu et que Dieu a lui-même entre le Père, le Fils et l'Esprit, et cette relation qui donne la vie. Bon, mais c'est bien beau, mais comment on y parvient? Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse, mais on peut essayer de chercher ensemble. Un des éléments que la première lettre de Jean nous offre, c'est un appel à vivre dans la lumière. Et puis pour lui, donc, la lumière, c'est Dieu. Donc vivre dans la lumière, c'est vivre en Dieu, vivre de Dieu, vivre comme Dieu, avec Dieu. Et il parle à plusieurs reprises de ne pas se mentir en regardant son péché, ne pas dire qu'on est sans péché. Et donc, si je le dis un petit peu avec d'autres mots, on pourrait dire qu'il nous dit que ça demande, pour vivre dans la lumière, ça demande d'apprendre à porter un regard juste sur nous-mêmes. Alors bien sûr qu'avoir un regard juste sur nous-mêmes, c'est ne pas se croire meilleur que nous sommes, c'est reconnaître nos limites et nos péchés, mais c'est aussi ne pas se croire pire que nous sommes et ne pas se demander d'être quelque chose d'irréaliste ou d'inaccessible. Et souvent, on se met les standards assez hauts. Alors que nous sommes humains, nous sommes limités, nous n'avons que deux mains, et il n'y a que 24 heures dans une journée, 365 jours dans une année, la plupart du temps, et qu'un nombre limité d'années dans notre vie. Et Dieu connaît ses limites, puisque c'est lui qui nous a fait, et qu'il nous a fait avec amour, qu'il nous voit avec amour, et qu'il est venu partager nos vies et partager ces limites-là en Jésus, avec amour. Alors si reconnaître notre péché est comparable au nettoyage d'une cuisine, vivre dans la lumière, c'est accepter d'avoir un regard juste sur notre cuisine intérieure. C'est certes voir le ménage qui reste à faire, mais c'est aussi accepter, et ce n'est pas toujours facile à accepter, que notre cuisine ne peut pas être aussi propre et neuve qu'une cuisine de magazine. Je parle de cuisine, mais comme le texte nous parle de lumière, et comme on est dans une église, on pourrait aussi prendre l'image des vitraux. Bien sûr que si je laisse mon vitrail se salir, il finira par plus laisser passer beaucoup de lumière. C'est une partie de ce que le péché peut être. Mais le résultat n'est pas meilleur, par exemple, si en voulant faire le bien,
je demande à mon vitrail de devenir sa propre lumière ou d'être le plus beau des vitrails, aussi beau, lumineux et chaud que le soleil qui est l'origine de la lumière. Je peux donc pécher soit premier cas de figure en lui répétant « Vas-y, brille, brille, allez, vas-y, brille mon vitrail !» Si ça fonctionne, il risque de se prendre pour le soleil, alors qu'il ne l'est pas. Et si ça ne fonctionne pas, il risque d'être pas mal déprimé, de se croire incapable et de finir par baisser les bras. Une autre manière dont on peut pécher aussi, c'est, deuxième cas de figure, si je me mets à vouloir faire que le vitrail ressemble à Dieu, ou au soleil plutôt, et que je le chauffe par exemple, ou bien le vitrail risque d'exploser parce qu'il sera trop chaud, ou bien il risque de commencer à brûler, puis à se noircir complètement et encore une fois, à ne plus être capable de laisser passer aucune lumière. Pour être ce qu'il est appelé à être, le vitrail n'a pas besoin d'être aussi grand, ni aussi gros, ni aussi chaud, ni aussi lumineux que le soleil. Et ça peut être bien des fois de se le rappeler, que pour être ce qu'on est appelé à être, que ce soit dans notre vie spirituelle, dans notre vie de couple, dans notre vie de parent, d'enfant, dans notre vie de travailleur, on n'a pas à être aussi grand, aussi beau, aussi musclé, aussi sain, aussi ceci ou cela que tel ou tel autre. Pour le vitrail, être lui-même, ça peut être tout simplement être ce qu'il est, assez transparent pour laisser passer la lumière, même si ce n'est pas le plus transparent, et assez coloré pour donner sa touche et sa nuance propre, même si ce n'est pas le plus coloré de tous. Ça n'empêchera pas d'être beau et de briller. Puis pour les amateurs de hockey, je ne suis pas sûr d'en faire partie, en tout cas je ne maîtrise pas assez, mais je dirais que pour être un beau vitrail, on n'a pas besoin d'être aussi propre et aussi lisse que la glace de la patinoire du Centre Bell après le passage de la Zamboni. Mais on peut quand même essayer d'être juste assez coloré, juste assez transparent, et c'est déjà souvent bien assez. Et bizarrement, ce qui est étonnant, et peut-être auquel on ne s'attend pas toujours, c'est que quand le vitrail devient lui-même, c'est à ce moment-là qu'il ressemble plus au soleil, ou qu'il ressemble plus à son créateur, si on pense que le soleil est Dieu pour le vitrail. Parce que c'est quand il est lui-même, ni plus ni moins, qu'il peut se tourner vers la lumière, et qui peut laisser passer cette lumière, devenir lumineux et montrer, dévoiler toutes ses couleurs, tout en éclairant les personnes et les choses autour de lui. Donc pour lui, pour le vitrail, tout vient de la lumière qui est à l'origine de sa vie, à l'origine de sa raison d'être. Et cette lumière, elle lui est donnée gratuitement, par amour. Et au lieu de perdre son temps et son énergie à essayer d'être ce qu'il n'est pas, le vitrail peut prendre un peu de son temps et de son énergie à prendre soin de ses couleurs quand elles se fanent, ou à se passer un petit coup de Windex par-ci par-là quand la poussière ou la saleté commence à obscurcir un peu un coin ou un autre. Donc, pour le vitrail, vivre dans la lumière, c'est indissociable d'une part du fait de se regarder avec justesse, bienveillance et réalité, réalisme, et de se déployer pour faire briller ses couleurs, et d'autre part, de ne pas tourner le dos à sa source, le soleil, et de ne pas garder la lumière qu'il reçoit prisonnière, mais la partager autour de lui. Et c'est probablement pourquoi il est intéressant dans cette deuxième lecture de voir Jésus, de comprendre Jésus, qui est cette parole de vie, cette vie éternelle, non pas comme une récompense que l'on obtiendrait grâce à nos efforts, mais comme quelque chose qui nous est donné, qui nous est déjà donné, gratuitement et par amour. De même que la lumière n'est pas donnée au vitrail comme une récompense à la fin de sa vie s'il a bien agi, mais que la lumière existe avant même que le vitrail existe, et qu'elle lui est donnée dès le début, je l'ai dit, comme sa raison d'être, et comme le principe même de sa vie, qui lui permet d'être lui-même, d'accomplir sa vocation, son appel, de briller et de rayonner de la lumière de Dieu. C'est probablement ce qui fait dire à l'auteur de l'Épître, « Je vous écris cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Il ne dit pas que vous aurez la vie éternelle ou que vous pourriez avoir, mais il leur dit « Sachez que vous avez la vie éternelle. » Alors ce matin, c'est à mon tour de vous dire et de vous redire peut-être
ce que l'auteur nous dit. Je m'adresse à vous pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Et je peux le redire en disant, je m'adresse à toi pour te dire que tu as la vie éternelle. En Jésus-Christ, ici et maintenant, pas demain, pas ailleurs, ici et maintenant. Donc la vie éternelle, elle n'a rien à voir avec la perfection de ta vie, d'être le meilleur parent, le meilleur chum, le meilleur fils, le meilleur professionnel. Elle n'a pas à voir avec une liste d'actions à accomplir ou une récompense à attendre à la fin des temps. La vie éternelle, elle a à voir avec l'amour que Dieu te porte déjà et qui te portait déjà avant que ta vie commence. Et elle a à voir aussi avec son désir d'être en communion, d'être en relation d'amour avec toi. Depuis toujours. Et pour toujours aussi. Bien sûr, la vie est difficile et douloureuse souvent. Pas seulement, mais elle l'est aussi beaucoup. Et elle nous masque souvent la lumière de la vie éternelle. Mais en attendant que le ciel soit totalement dégagé, il est quand même possible d'exercer nos regards pour discerner la vie éternelle qui est déjà là, comme je l'ai dit, ici et maintenant. Essayer de la voir et essayer autant qu'on peut de ne pas cacher cette lumière pour nous-mêmes et pour les autres. Alors, tourne ton regard vers cette lumière. Et ne te tracasse pas trop si un jour tes actions noircissent un peu ou beaucoup les beaux morceaux de vitre colorés de ton vitrail. Et c'est pour ça aussi que j'en dis, mes enfants, je vous écris ceci afin que vous ne commettiez pas de péché. Mais si l'on vient en commettre, nous avons quelqu'un qui nous vient en aide auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Car Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés, et non seulement les nôtres, mais aussi les péchés du monde entier. Le même Jean écrit un peu plus loin dans la même lettre, « Si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. » Un message de miséricorde. C'est intéressant de l'entendre aujourd'hui parce que nos frères et sœurs catholiques célèbrent la journée, le dimanche de la Divine Miséricorde, un jour important qui vient clôturer l'octave de Pâques, les 8 jours de Pâques qu'on célèbre aujourd'hui. Et puis, nos frères et sœurs musulmans, dans les derniers jours du Ramadan, parmi les jours les plus saints, ils célèbrent, on ne sait pas exactement quelle nuit c'est, mais la nuit dernière, la nuit qui arrive, la nuit du destin, qui est aussi la nuit de la miséricorde. La nuit où, si j'ai bien compris, l'espace entre Dieu et les humains est tellement réduit que les prières sont entendues et Dieu fait miséricorde. Il le fait tout le temps, mais plus encore cette nuit. Voilà pour aujourd'hui. Mais si en cours de route, ou si à la fin de ta route, ton beau vitrail se brise, garde ton cœur en paix. Car ce qui est brisé n'empêche pas Dieu de créer, comme il l'a fait avec le Christ crucifié, faisant de l'échec apparent et de la fin de sa vie le début d'une liberté et d'une réussite plus grande encore. Ainsi, lorsque le temps sera venu, comme au matin de Pâques, Jésus collectera une par une les pièces de nos vitraux brisés, le tien, le mien, pour en faire une seule et grande œuvre d'art, différente que celle que nous voyons aujourd'hui, mais plus belle encore, en intégrant toutes nos pièces. Ainsi tous, nous ne ferons plus qu'un, dans la lumière de la vie qui était depuis le commencement et n'aura pas de couchant. Amen.
En ce temps de Pâques, nous nous réjouissons ensemble et en Dieu, dans une paraphrase du Te Deum de Janet Morley. Mon Dieu, nous te désirons ardemment. Nous professons notre sincère désir, car les cieux se parent de ta manifeste beauté et la terre tout entière s'abandonne à ton contact. Les puissances de la lumière éternelle crient vers toi. Les lieux saints et anciens des ténèbres crient sans cesse ton nom. Les saints et les saints de toutes les générations soulignent ta gloire éclatante. Les personnes qui t'ont vu et proclamé sont passionnées de louanges. Celles qui sont suppliées pour la justice sont satisfaites en toi. Celles qui t'ont porté dans leurs blessures sont animées par la vie. Ton Église sainte et trébuchante du monde entier est comblée par la volonté. Créateur miséricordieux d'une tendresse infinie, Rédempteur blessé par qui toute chair est émue, Consolateur de feu qui nous conduit à la vérité, Dieu complexe et beau, nous te louons. Tu es la source de notre désir, ô Christ, tu es le chemin de la gloire. Tu revêts notre douce et humble chair. Fruit des entrailles d'une femme, comme nous, tu as été conçu et façonné par le contact particulier d'un être humain. En sortant de la tombe, tu as complètement ouvert notre cœur, transformant avec effroi la brutalité de la mort en une vie nouvelle et un désir accompli. Fais grandir notre soif de justice pour ton monde affligé, afin que nous fassions partie de tes saints et de tes saintes dans la gloire, et que nous sachions bien aimer. Esprit de discernement, d'intégrité et de feu, insuffle nos peurs, affermis notre sincérité, et chante par-dessus notre mutisme, afin que nous refusions le mal chaque jour et que nous soyons portés par la louange. Mon Dieu, j'ai répandu mes désirs à tes pieds. Je me suis abandonné. Tout mon être est ouvert à ton contact. Fais que je n'ai jamais rien à me reprocher. Amen. Prions ensemble. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Après chaque intention de prière, nous disons « Seigneur qui donne la vie à tout ce qui est mort, écoute nos prières. » Nous prions pour la Sainte Église de Dieu, afin qu'elle soit remplie d'amour et de vérité, spécialement l'Église épiscopale aux États-Unis avec Michael Curry, évêque en chef, Saint-Georges, Sainte-Anne de Bellevue, Sifo, Anne, prêtre et par intérim. Prions pour le séminaire diocésain, pour son personnel et toutes les autres personnes, spécialement pour Alex, Sarah, Esther, Nat, Morgan-Pierre. Prions aussi pour toutes les personnes qui discernent leur vocation au sein de l'Église comme à l'extérieur de l'Église. Prions pour nous tous, afin que nous approfondissions notre foi. Prions pour les enseignants, les prédicateurs et les groupes d'études bibliques. Seigneur, toi qui donnes vie à tout ce qui est mort, écoute nos prières. Prions pour notre évêque, Murray, pour tous les autres évêques, pour nos prêtres, Bertrand, Déborah, Ralph, Jennifer, et tous les autres ministres, pour les prêtres et pasteurs de toutes deux dénominations confondues, qu'il n'ait pas honte de proclamer l'Évangile. Seigneur, toi qui donnes vie à tout ce qui est mort, écoute nos prières. Prions aussi pour ceux et celles qui ont des responsabilités publiques, particulièrement Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, François Legault, Premier ministre du Québec, et Valérie Plante, notre mairesse. Prions aussi pour tous les autres ministres, députés, conseillers, afin qu'ils servent la justice et défendent la dignité et la liberté de chacun. Seigneur, qui donne la vie à tout ce qui est mort, écoute nos prières. Prions pour la paix dans le monde, pour tous les pays, et spécialement l'Ukraine, Haïti,
Qu'un esprit de respect et de tolérance se développe parmi les nations et les peuples. Prions pour les pauvres, les persécutés, les itinérants, les malades de notre communauté, Massa, Marie-Claire, Max, Maxime, Pierrette, Sandrine, pour tous les affligés et victimes d'injustice, que leur peine se change en une joie que personne ne pourra leur enlever, tous ceux et celles qui souffrent, et pour les réfugiés, les prisonniers. Seigneur, toi qui donnes vie à tout ce qui est mort, écoute nos prières. Prions aussi pour ceux et celles qui sont en danger. Prions pour les personnes racisées, les marginalisées. Et enfin, tous ceux et celles qui se retrouvent dans des situations difficiles dans notre société. Prions pour notre terre, notre maison, notre communauté chrétienne. Que nous reconnaissions l'urgence de la protéger afin que nos enfants, nos petits-enfants puissent y vivre en toute joie. Seigneur, toi qui donnes vie à tout ce qui est mort, écoute nos prières. Prions pour nos familles, nos amis, nos voisins, que libérés de l'inquiétude, ils vivent dans la joie, la paix et la santé. Prions aussi pour ceux et celles qui ont besoin de nos prières. Seigneur, toi qui donnes vie à tout ce qui est mort, écoute nos prières. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi qui connais nos besoins avant même que nous les exprimions, aide-nous à demander ce qui se rejoint, ta volonté, et ce que nous n'osons et nous ne savons pas demander. Daigne nous l'accorder pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever. Par le baptême, nous sommes morts avec le Christ, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts, nous marchions en nouveauté de vie. Recevons une vie nouvelle en lui, en confessant nos péchés par la pénitence et la foi. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée et en parole, parce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils unique, Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté nous remplira de joie, et nous marcherons dans tes chemins pour glorifier ton nom. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ, notre Seigneur, vous affermisse en tout bien par la puissance de l'Esprit-Saint, vous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Christ ressuscité se présenta parmi ses disciples et leur dit « La paix soit avec vous ». Ceux-ci furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix, la paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ.
Dieu de bonté, tu nous as libérés de nos péchés et donné un royaume en la personne de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Accepte ce que nous t'offrons ce jour et donne-nous plus de force afin de vivre la vie nouvelle qui vient de toi par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Sois béni, Dieu de bonté, Créateur du ciel et de la terre. Nous te rendons grâce et louange pour la résurrection de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est l'unique agneau pascal qui enlève le péché du monde. Par sa mort, il a vaincu la mort, et par sa résurrection, il nous donne la vie éternelle. Nous nous joignons dans nos voix à celles de l'Assemblée des cieux pour chanter notre hymne de louange et proclamer la gloire de ton nom. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour la bonté et l'amour que tu nous as manifestés dans la création, dans la vocation d'Israël, ton peuple, dans ta parole proclamée par les prophètes, et par-dessus tous, dans le Verbe fait chair, Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur. Car en ces temps qui sont les derniers, tu l'as envoyé, afin qu'il prenne chair de la Vierge Marie et qu'il devienne le Rédempteur et le Sauveur du monde. En lui, tu nous as délivrés du mal et tu nous as rendus dignes de nous tenir en ta présence. En lui, tu nous as fait passer de l'erreur à la vérité, du péché à la justice, de la mort à la vie. La nuit où il fut livré à la souffrance et à la mort, une mort qu'il avait librement acceptée, notre Seigneur Jésus-Christ prit du pain. Et ayant rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude, pour le pardon des péchés. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » C'est pourquoi, Père, selon son commandement, nous rappelons sa mort, nous proclamons sa résurrection, nous attendons son retour dans la gloire.
et nous t'offrons ce sacrifice de louange et d'action de grâce, Seigneur de l'univers, te présentant ce pain et ce vin, fruit de ta création. Nous te supplions, Dieu d'éternelle charité, d'envoyer ton Esprit Saint sur ces offrandes, afin qu'elles deviennent le sacrement du corps du Christ et du sang de la nouvelle alliance. Unis tes fidèles au sacrifice de ton Fils, afin que rendu digne de toi par le Christ, il soit sanctifié par l'Esprit Saint. En la plénitude des temps, réconcilie et renouvelle toutes choses dans le Christ, et conduis-nous à la cité de lumière, là où tu habites avec tous tes enfants. Par Jésus-Christ notre Seigneur, le premier-né de toute création, la tête de l'Église et l'auteur de notre salut. Car c'est par lui, avec lui et en lui, dans l'unité de l'Esprit Saint, que te sont rendus tout honneur et toute gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, comme nous l'avons appris du Sauveur, chacun et chacune dans la langue dans laquelle vous priez, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. Alléluia. Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Agneau de Dieu, qui enlève le corps du Christ, agneau de Dieu. Thank you.
Disons ensemble, Seigneur Dieu, nous avons vu, nous avons touché le pain de vie. Rends notre foi plus forte, afin que nous puissions t'aimer et aimer davantage les autres, par Jésus-Christ le Seigneur ressuscité. Amen. Bienvenue encore à la cathédrale ce matin. Café ? Il y a un café après le service, mais pas de pain partage prière. Donc, pour ceux qui souhaitent se joindre à la communauté et soit jaser avec des amis, ou faire des nouveaux amis et prendre contact avec nous, vous suivez la communauté après le service pour descendre à notre sous-sol, dans notre salle, la voûte amicale, pour un café, biscuits et une conversation. Mardi soir, comme d'habitude, à 19h, la prière francophone sur Zoom avec une discussion sur le passage biblique du jour. Mercredi soir, le service Thésée bilingue à 17h15 ici à la cathédrale. Et donc la semaine prochaine, comme d'habitude. Juste pour dire que le mercredi 17, donc ce n'est pas ce mercredi-ci, mais mercredi de la semaine prochaine, nous aurons avec nous le doyen de la cathédrale de Coventry en Angleterre, qui va nous parler du ministère de réconciliation de la cathédrale. Vous pouvez voir derrière là où le prêcheur prêche, une croix qui est sur le mur, qui nous a été donnée par la cathédrale de Coventry en 1953. Et la cathédrale de Coventry a subi d'énormes dégâts pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'elle a été bombardée en même temps que le bombardement de la ville de Coventry. Les Anglais ont ensuite été allés bombarder en partie en Allemagne, et la cathédrale a été reconstruite d'une manière, une partie ancienne, une partie très moderne, mais aussi a développé tout un ministère de réconciliation et de paix dans la communion anglicane. Donc il va nous parler de tout ça. Ce serait intéressant de savoir si ça intéresse des gens de la communauté francophone pour qu'on puisse être prêt au cas. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez de l'interprétation en français, veuillez vous inscrire sur le lien qui a été déjà fourni depuis plusieurs semaines, mais sinon ce sera principalement en anglais. Donc si on a des francophones, on fera ce qu'il faut, mais si on n'en a pas, mais on ne va pas se préparer à l'avance, donc ce sera difficile de faire juste à la dernière minute. Et je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que c'est tout. Donc nous restons debout pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que le Christ qui, à partir de la défaite... J'avais quand même une chose à dire, c'est Morgan Pierre qui a prêché, quand même je le remercie. Morgan Pierre qui est un de nos séminaristes donc, au Collège diocésain, donc on prie pour 5 personnes tous les dimanches. Ce sont des jeunes, ou plus ces jeunes, qui se préparent au ministère de l'Église. Donc, nous te remercions, Morgan Pierre, je ne sais pas si on applaudit les sermons quand même, mais quand même, en tout cas, on le remercie d'être parmi nous et d'avoir partagé son message du jour. Donc, voilà. Le Seigneur soit avec vous. Que le Christ, qui à partir de la défaite apporte une nouvelle espérance et un nouvel avenir, vous remplisse de sa vie nouvelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Avant l'hymne final, ça me fait penser quand même que le samedi 27, dans la matinée, il y a une matinée pour réfléchir sur la vocation ou les vocations, donc ceux qui considèrent leur vocation dans l'Église, dans la vie, qui seraient intéressés, veuillez me contacter. Ce sera probablement proposé en bilingue, donc les ministères ordonnés dans l'Église, mais aussi les ministères laïcs. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir. Let's sing, chantons notre dernier chant.
à paix, mais servez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia.